c'est quand même assez zain, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, pour notre troisième module, il sera question pour nous d'assembler notre système pignon crémaillère modélisé précédemment sur le logiciel SOLIDWORKS. Dans cette vidéo, nous allons prendre notre pignon assemblé précédemment, notre crémaillère assemblée dans le deuxième module, et tout cela fera l'objet de notre troisième module qui consistera à assembler le pignon et notre crémaillère sur le logiciel. Avant d'aborder le vif du sujet, je vous prie de liker la vidéo, de vous abonner et de partager afin que nous puissions maximalement profiter des astuces d'apprentissage et de perfectionnement sur le logiciel SOLIDWORKS. Nous allons ouvrir l'atelier assemblage pour pouvoir débuter notre troisième module. Ensuite, là, nous allons parcourir et sélectionner axe 1 qui était notre axe précédemment modélisé et rail 2 qui était notre crémaillère précédemment modélisé. Ok. Ok. Et là, on va libérer notre pignon pour qu'il puisse être mobile. Ok. Maintenant, nous allons commencer avec les différents assemblages. Mais avant d'assembler, nous allons aller dans chaque pièce. Nous allons ouvrir cette pièce-ci. Nous passons à cette partie et faire une esquisse d'un cercle de diamètre 1 pouce. Ceci va nous permettre de pouvoir faire parfaitement notre assemblage dans l'atelier assemblage, bien sûr. Ensuite, nous allons venir sur rail 2. Et là, on va le mettre à une hauteur de 0,68 pouces. Ok. Nous allons créer un plan passant par cette droite-ci. Pardon. Et cette partie. Nous allons créer un plan passant par cette droite. Pardon, avant de valider, nous allons venir sur géométrie de référence plan de dessus. Deuxième référence, nous allons sélectionner la droite. Et la zone va positionner comme nous voulons. Troisième référence, aucun. Mais nous allons venir sur la première référence et cliquer sur parallèle. Ok. Nous retournons donc dans l'atelier assemblage. Ok. Là, on va se prendre. Nous allons sélectionner le plan de face. Ok. En
Ensuite, nous allons rendre visibles les traits d'axe et les origines. Prendre ça, cette ligne ici. OK. Ensuite, nous allons choisir cette partie, contrainte. Et cette partie, coïncidence, cette ligne ici et contrainte, on va prendre ce cercle ici, dérouler ce plan ici, tangente, OK. Ensuite, nous allons aller sur les contraintes mécaniques. Venir sur contraintes mécaniques, pignon crémaillère, crémaillère. On va choisir celui-ci. Et le pignon. Avant d'activer les contraintes mécaniques, nous allons aller sur contraintes d'abord, sur axe encore ou pignon, prendre plan de face, plan de dessus, parallèle, OK. OK.
Ok. Contrainte mécanique. Contrainte mécanique. Pignon crémaillère. Si la crémaillère va sur cette ligne ici, et le pignon, ce cercle ici. Ok. On va activer le déplacement pour la révolution. Ok, 79,8. On va valider. Ensuite, nous allons venir sur étude de mouvement. Nous allons paramétrer le moteur. Qui est de 10. Ok. On va paramétrer à nouveau notre moteur. Cette fois-ci. Qui est de 10 aussi. Et là, nous allons prendre 4 secondes et demie environ. C'est 5 secondes autant pour moi. Nous allons calculer premièrement pour voir le comportement de notre assemblage. OK. Après, ça va paramétrer le moteur. Il sera question pour nous de paramétrer une seconde partie. Tout d'abord, nous allons d'abord annuler notre premier moteur, notre deuxième moteur autant pour moi, et recalculer pour voir le comportement de notre assemblage. Nous allons augmenter la durée à 6 secondes et recalculer. OK. Et là, nous rendons compte que le dépassement de notre pignon et crémaillère se dépasse normalement. Et si nous souhaitons faire le sens contraire, nous allons programmer à nouveau le moteur. Un nouveau moteur. Et là, on a 9 secondes. On va passer à 18 secondes. On va faire un clic droit, placer une clé. Un autre clic droit, désactiver. Et pour le deuxième moteur, on va se placer là. Et on va recalculer. Si nous voulons enregistrer, nous venons sur enregistrer l'animation. Et là, il y a différents paramètres. Ici, on choisit le format, en quel format. On va enregistrer. Et là, le nom, on met cette vidéo. Enregistrer. OK. Oui.
J'étais donc en train d'enregistrer notre vidéo. Si nous souhaitons retrouver notre assemblage, nous n'avons qu'à aller dans la destination où nous avons choisi la destination dans laquelle nous avons choisi de stocker la vidéo. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu, j'espère que vous avez appris un truc de nouveau aujourd'hui sur ma chaîne. Portez-vous bien, rendez-vous à la prochaine vidéo ou à un autre nouveau module sur Canvas Design.